Nous avons la chance d'avoir trois parrains pour cette soirée. Nous allons commencer par la dame, Laurence de Richemont, qui est chef de la représentation de la communauté européenne en France. Je vous laisse venir me retrouver pour dire quelques mots, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir à tous et merci au président de la Chambre de commerce et d'industrie qui nous reçoit chez lui, même s'il n'est pas là. Je voulais le remercier de nous recevoir dans ces lieux magnifiques. Je me suis laissé dire en plus que ce lieu était une des plus anciennes, sinon la plus ancienne chambre de commerce au monde. Donc on est très heureux d'être là. Et la Commission européenne est très heureuse de s'associer à ce prix international du documentaire et du reportage méditerranéen. Je voudrais bien entendu remercier le président d'honneur du CMCA, M. Roland Faure, qui est parmi nous, ainsi que la directrice Martine Viglione, pour avoir associé... Voilà, on les applaudit. J'applaudis également pour avoir associé la Commission européenne à cette remise de prix. Nous avons participé modestement, mais de façon concrète, à cet événement en ouvrant des séances gratuites au public vendredi soir et en organisant cet après-midi une table ronde sous l'égide de ma collègue Blandine Pellistrandi de la représentation régionale à Marseille, que je salue aussi. Nous avons, lors de cette table ronde, examiné avec les journalistes, les médias, les professionnels de l'audiovisuel, les outils que la Commission européenne met à la disposition donc des médias audiovisuels. Je voudrais bien entendu saluer aussi la présidence du président de France Télévisions, Patrick Descarolis. Je suis très heureuse de m'associer à ses côtés à cette remise de prix qui, je crois, a une valeur très symbolique. Cela a été dit tout à l'heure, mais je le répète, Marseille-Provence sera capitale culturelle européenne en 2013. Donc je crois que c'est tout un symbole que ce 14e prix soit remis ici à Marseille cette année. Et donc je souhaite le plus grand succès à cette manifestation. J'ai eu en plus un aperçu de tous les films et documentaires qui étaient en compétition et qui, je crois, sont d'une immense qualité. Ce type d'action contribue de façon très significative et très concrète à rapprocher les deux rives de la Méditerranée. C'est l'une des ambitions de l'Union européenne, justement, que de nourrir ce dialogue euro-méditerranéen, à la fois à travers le processus de Barcelone, qui a été lancé déjà en 1995, puis relancé à plusieurs reprises, à travers toutes nos actions dans le cadre de la coopération euro-méditerranéenne, dans le domaine audiovisuel et au-delà. Et c'est pourquoi la Commission est vraiment très heureuse de s'associer à ce prix. Et je remercie à nouveau tous les partenaires, les organisateurs, et je félicite par avance les lauréats. Merci beaucoup. Merci à vous. Deuxième parrain, Patrick Descarolis.